David Beckham est aussi célèbre pour ses exploits footballistiques que pour ses coupes de cheveux. Iroquoise, mèche en arrière, raie au milieu, mulet, queue de cheval, blond platine. Un as de la transformation capillaire qui a fait de sa crinière dorée un véritable objet de désir. Les femmes l'adulent et les hommes l'envient. Forcément, pour le mari de poche, la calvitie n'est pas envisageable. Et ce, même s'il s'est essayé, un temps, à la boule à zéro. D'après The Sun, l'ancien dieu du stade de 43 ans aurait donc eu recours à des implants capillaires, dans le plus grand des secrets. Une source aurait d'ailleurs confirmé au tabloïd qu'il était devenu l'un des hommes d'âge moyen à subir une greffe de cheveux. Ce qui a mis la puce à l'oreille aux médias britanniques, les récentes transformations de l'ancien sportif. En juin dernier, le père de Brooklyn, Harper, Romeo James et Cruz a rencontré la reine Elizabeth II au palais de Buckingham dans le cadre de la soirée Queen Cheerleader. Il est apparu avec une coupe courte étonnamment plus fournie sur le dessus qu'avant. En témoignent les avant-bras obliques après publiés par le Sun et le Daily Mail. Mais ce n'est pas tout, les mois précédents, il a également été aperçu à plusieurs reprises avec des bonnets. Quand on sait qu'après une telle procédure, les cheveux ne repoussent pas avant 4 mois et que les premiers résultats ne sont visibles qu'autour du 6e mois, cela éveille indubitablement les soupçons. Le porte-parole de David Beckham n'a pas confirmé cette greffe d'implant, indiquant qu'il s'agissait là d'une question confidentielle, que ce soit vrai ou faux. De quoi remettre de l'huile sur les cheveux du footballeur. Crédit photo, agence Best Images.